Bienvenue dans ces petites vidéos que je vous fais régulièrement où je vous présente une autre vision de la vie et surtout j'essaye de vous montrer que d'autres choses existent. Et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'impuissance masculine et l'infertilité féminine et comment le jeûne prolongé peut les résoudre. Alors vous allez me dire, ah c'est miraculeux, eh bien c'est pas vraiment miraculeux, ce sont les effets du jeûne. Alors moi j'ai pu le voir plus d'une fois, j'ai dû le voir deux fois chez deux jeunes femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui, après le jeûne, ont réussi à pouvoir avoir un enfant. Mais surtout, je vais vous faire revenir dans le temps. Nous sommes en 1900. Ce livre a été écrit en 1930 par Herbert Shelton. Il a fait jeûner 35 000 personnes. Et il nous parle, dans un de ses chapitres, de l'infertilité. Alors, je vais vous lire et puis en même temps, je vais rebondir dessus. L'un de mes malades, un homme d'un certain âge, qui fut impuissant pendant des années, retrouva rapidement sa virilité après un jeûne de 31 jours. Je sais, 31 jours c'est long, mais plus court, ça marche aussi. Un autre cas d'impuissance datant de plusieurs années la retrouva après un jeûne court. Vous allez voir, je vais vous en donner encore après, ça va être sur l'infertilité féminine. Mais tout ce qu'on peut comprendre, c'est que le jeûne prolongé, il va réduire l'inflammation corporelle aussi bien au niveau des tissus adipeux que tout autre endroit de votre corps. C'est pour ça que les maladies auto-immunes, ils réussissent aussi bien aussi. Et l'infertilité, qu'elle soit masculine ou féminine, est souvent due aussi à des déséquilibres. Et le jeûne prolongé va rééquilibrer au niveau cellulaire tout ce qui s'y passe. Donc il est normal qu'après le jeûne prolongé, eh bien, la fertilité puisse revenir. Allez, je vous lis encore un autre passage, page 153. L'une de mes malades, incapable de concevoir pendant plusieurs années, conçut peu de temps après un jeûne de 40 jours. C'est encore un jeûne qui était long. Son bébé fut normal sous tous les rapports et sans aucun problème. Donc ce qu'il veut dire et ce qu'il veut exprimer, c'est qu'un jeûne de 40 jours et que la personne soit enceinte après, va pas créer un bébé difforme. Au contraire, le bébé sera en excellente santé parce que tout le corps de la femme fonctionnera d'une forme meilleure. J'allais parler encore en portugais, c'est pas grave. Un autre exemple, une autre mariée depuis 10 ans sans avoir d'enfant, conçue peu de temps après un jeûne de 10 jours. Donc là, vous voyez, on a réduit un petit peu. Plus vous êtes jeune, plus ça va vite. Plus on avance dans l'âge et plus effectivement il faut un petit peu plus de temps de jeûne pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Allez, un troisième exemple, une troisième malade conçue à son premier rapport sexuel. 2 semaines après un jeûne de 30 jours, cette femme avait été précédemment stérile. Donc vous voyez, des exemples, il y en a plein, c'est pas ce qui manque, c'est pas miraculeux, c'est la magie du jeûne qui est mathématique. D'accord ? C'est le corps qui va recommencer à tout remettre à sa place, que toutes les cellules puissent bien fonctionner et surtout, en sortie du jeûne prolongé, il y a vraiment des forces de croissance qui sont très importantes à l'intérieur du corps et ça aide tout le corps à mieux fonctionner. Donc voilà, n'ayez pas peur d'expérimenter le jeûne prolongé. Je vous rappelle que je vous accompagne aussi bien online avec un groupe d'entraide, avec des vidéos pour vous expliquer, avec des lives pour pouvoir discuter. Et puis, je vous encadre aussi maintenant depuis 16 ans en présentiel à Vannes, mais ce sera qu'à partir du mois de mai quand je reviendrai en France l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur mon site internet sébastienlièvre.com. Vous aurez toutes les informations qui vous seront utiles. Et moi, je dis pourquoi personne ne pense au jeûne prolongé. Le jeûne prolongé a tellement d'effets positifs sur un temps tellement court. Il y a des personnes qui vont faire des traitements pendant des années. Là, moi, je vous parle de 14 jours, si vous êtes assez jeune, 14 jours de jeûne remettent tout le corps dans un bon mode de fonctionnement. 14 jours, c'est rien. Par rapport à tout ce que vous pouvez subir, mesdames, quand j'ai des amis qui ont pu être dans ces cas-là, en termes médicaux, franchement, vous partez jeûner, vous vous trouvez un petit endroit tranquille, vous jeûnez avec mon accompagnement, et puis, eh ben, voilà, vous allez recommencer votre vie d'une autre façon. Et moi, je dis, ça vaut le coup d'essayer. De toute façon, tout le corps en bénéficiera, il n'y a aucun risque pour ça. Voilà, ciao, ciao, bonne journée. Et puis voilà, c'est un petit passage sur le jeûne prolongé. Ciao.